On marche sur la tête au sens propre ce matin. Un commerçant ne supportait plus de voir des passants trébucher et tomber devant chez lui à cause de la rue mal entretenue, des pavés complètement dégradés. Ça vous est peut-être arrivé de vous plaindre pour une chaussée qui est justement mal entretenue comme ça. Et c'est souvent une bataille avec les services en charge de l'entretien des routes et des rues. Eh bien, c'est ce qui s'est passé dans le centre de Paris, rue des Lombards. Résultat, ce propriétaire du commerce, qui est en fait une boîte de nuit, on peut comprendre d'ailleurs qu'on trébuche en sortant de son établissement. Bref, ce propriétaire a donc décidé de faire rénover ces quelques pavés de la ruelle devant chez lui. Il a réglé la facture de plus de 1000 euros. Depuis, il y a une petite querelle avec la mairie qui affirme qu'il était de mauvaise foi et que le problème venait de véhicules un peu trop lourds qui circulaient dans la rue. Bref, une histoire quotidienne comme il en existe beaucoup dans nos villes et villages où certains dénoncent parfois le mauvais entretien des routes. Il n'y a pas si longtemps, devant les plaintes, l'ONF a même fermé une voie de circulation dans une forêt qui était cette voie de circulation souvent défoncée. À chacun ses réponses, plus simple que de rénover en permanence.